lancer notre activité. Ça va? Ok. Tout le monde d'abord. Yo, quel est ma gaga pour le col à mon bal sportif? Naouti Kone Kana Palais du Peuple n'a pour plus de 1000 personnes. Dans son sport. Ça n'a rien à voir. Faire du sport. Il n'y a pas d'activité politique ici. Il s'agit simplement de faire le sport afin de maintenir le corps en bonne santé. Oui, il faut dire que lorsque nous avons lancé ce mouvement avec Maître Mike, au début, il était difficile de savoir comment les gens allaient réagir. Nous avons commencé par Lemba, après Lemba on a été appelé à Limete. Après Limete, on a été appelé dans plusieurs endroits, on a choisi de venir en Galiema. Mais il y a d'autres communes, Kinsenso, toutes les communes pratiquement, qui nous invitent à aller aussi faire cette activité avec les jeunes de ces communes-là. Je pense que le premier résultat que nous avons réalisé, c'est la sensibilisation. Tout le monde est sensibilisé aujourd'hui qu'il est important de faire du sport et qu'il est important de détourner la jeunesse des antivaleurs pour qu'ils puissent se concentrer sur d'abord se maintenir en forme, mais ensuite pour qu'ils puissent se concentrer sur le développement des valeurs morales, des valeurs d'intégrité, des valeurs qui peuvent leur permettre d'avancer dans la société correctement. Donc la sensibilisation a été une réussite et nous souhaitons inviter toutes les autres communes qui ne l'ont pas encore fait à pouvoir s'associer donc à nous pour qu'on puisse passer là-bas, nous mélanger avec la jeunesse et leur montrer donc le chemin pour l'avenir. Au fait, quand on avait commencé au début, c'était un exercice qui partait de nous pour sensibiliser donc les maires ou les bourgmestres de communes. Maintenant que l'information a circulé, il y a plusieurs communes qui nous contactent pour demander qu'on puisse aller vers elles pour nous mélanger avec les jeunes de ces communes-là. Donc c'est un exercice qui va dans les deux sens. Si une commune ne nous a pas contacté et qu'on y a pensé, nous on va la contacter. Mais les communes qui sont sensibilisées déjà nous invitent et nous allons donc répondre positivement à leur invitation. Les communes, c'est une subdivision de l'administration du pays. Si on essaie de le faire au niveau des provinces, les provinces sont très larges. Donc les communes, c'est la première unité administrative qui regroupe donc des gens dans un quartier bien spécifique. Mais s'il y avait des quartiers qui nous invitent, on irait aussi vers ces quartiers. Cette commune est très symbolique, comme vous l'avez dit, étant donné qu'elle se trouve en face de la cité de Loya où travaille le chef de l'État. Donc nous saisissons cette opportunité pour lancer un message solennel à l'autorité suprême donc, du pays, au président Félix-Antoine Tshisekedi, pour souligner l'importance donc, du sport dans notre pays. Lui-même, il est le premier sportif. Quand il y a les matchs de Léopard ou des équipes différentes dans les domaines différents, il est toujours donc, présent. Mais on voudrait donc attirer l'attention du gouvernement pour qu'il y ait des grands investissements dans le domaine du sport, qu'on développe des centres sportifs, parce que si on arrive à développer des centres sportifs, non pas simplement à Kinshasa, mais dans toutes les provinces de la RDC, je pense qu'on va contribuer efficacement à lutter contre ces antivaleurs, à bien encadrer la jeunesse, mais également le développement du sport, créer des emplois pour la population parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les centres sportifs, il y a des restaurants qui se développent autour, il y a des hôtels qui se développent autour. Donc, en développant le sport, on développe aussi donc le pays. On lance donc un appel solennel au chef de l'État, mais également au chef du gouvernement et à tous les membres donc de l'administration publique congolaise pour que nous puissions investir dans ce domaine important de la vie de la nation. Oui, nous sommes totalement satisfaits de l'activité, de la manière dans laquelle il s'est déroulé. Nous avons vraiment en tout cas salué la présence du docteur professeur Noli Tchani, qui ne cesse jamais d'encourager la jeunesse sportive. Nous parlons de la même occasion, nous remercions le bourgmestre de Merci, qui a tenu à être présent avec nous, mais le cas de force majeure l'a empêché. Nous devons encourager la jeunesse, parce que cette jeunesse, elle est bien formée. Je crois que c'est une garantie pour la nation. Et un pays qui a des sportifs est un pays béni parce que le sport est un patrimoine et il est lui-même l'ambassadeur. À vous la presse, qui est le quatrième pouvoir, nous vous supplions de toujours nous accompagner. Le vœu que nous vous formulons est de toujours nous accompagner parce que votre voix porte loin. Encore une fois, merci à son Excellence Monsieur le bourgmestre, Dieu merci. Ainsi, pour chef de service de sport et de la jeunesse, en l'occurrence, chef Condé. Au docteur Noël Tchani, merci.
N'abandonnez pas la jeunesse parce que elle est une garantie pour la nation. Merci. Vous avez notre appui, vous avez notre soutien. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous. Allez, soufflez, une. Rotation maintenant des coups, là. Changez. Allez là. Allez là. Allez là. Ne touchez pas. Ne touchez. Yamé. On acclame quand même.